Bien, moi je suis Cédric Keita, je suis le chef de la division suivi et évaluation. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, effectivement, on avait déjà des indicateurs qui étaient sur place, mais c'est la mise en œuvre qui avait été très difficile parce que nous nous sommes rendus compte très vite que la mise en œuvre de ces indicateurs n'était pas du tout adaptée. Donc, c'est pourquoi la nouvelle équipe qui a été mise en place déjà, nous avons travaillé déjà sur d'autres indicateurs qui peuvent venir en supplément des indicateurs qui existent déjà. Maintenant, c'est un travail qui est en cours et c'est à la fin de ce travail-là que nous allons nous asseoir avec la direction générale pour voir les indicateurs qui sont mesurables, qui sont réellement faisables et vérifiables sur le terrain. Et les indicateurs qu'on dispose qui ne sont pas encore faisables, on va essayer de les éliminer. Le travail n'est pas encore fini, c'est toujours en cours. Sinon, on avait déjà des indicateurs comme par exemple l'indicateur de suivi du FNACS, qui est le Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Comme l'a dit mon collègue, puisque nous ne sommes pas les seuls dans cette gestion-là, il y a l'annicité, il y a les trésors. Donc, c'est un peu difficile de mesurer un certain nombre d'indicateurs. Nous pouvons faire notre part, mais la part des autres est difficilement mesurable. Nous avions également les indicateurs d'impact. Alors, les indicateurs d'impact, c'est comment, à l'issue des projets, quel a été l'impact des indicateurs sur les populations. Et là également, le pays est vaste et tellement immense que la structure seule n'est pas en mesure vraiment d'établir l'impact. Il va falloir l'association d'autres acteurs pour qu'on puisse mesurer exactement cet indicateur. Il y avait aussi les indicateurs de résultats que nous avons extraits du César et les indicateurs de produits. Donc, vous voyez, on avait une multitude d'indicateurs. Maintenant, en ce qui concerne également les partenaires, chaque partenaire vient également avec ses indicateurs. Le président de Danida était là hier. Il y a aussi Danida nous a répété qu'il faut voir. Il y a la KfW aussi sur le dos. Il y a beaucoup d'indicateurs. Donc, nous allons essayer d'harmoniser tous ces indicateurs-là, en faire uniformiser des indicateurs que nous allons utiliser, appliquer à tous les partenaires. Alors, c'est ce travail qui n'est pas encore fini. Donc, c'est ce qui explique le fait qu'on ne pourra pas vous donner exactement le point là où nous en sommes. Je vous remercie.